Mesdames et messieurs, salut. Bienvenue sur Haitian Public Media, je suis Abner Gelin. Aujourd'hui, c'est mercredi, qui c'est première journée dans le mois de juin 2022. C'est un honneur et toujours un plaisir. Chaque femme a une chance pour montrer la caillou. Moi, je veux dire merci à tous les amis, à tous les fanatiques, tout le monde qui prend un petit temps pour passer avec nous aujourd'hui là. Moi, j'apprécie ça. Et moi, je veux dire bienvenue sur Haitian Public Media. Et bonne journée. Mesdames et messieurs, il y a un mot qui commence à être très populaire dans le monde là. Il n'est pas un mot nouveau. Il est utilisé déjà. Et pendant qu'on a parlé là, mot ça vient trending. J'ai dit dans social media. Ça veut dire que c'est un mot en pile monde à répéter. Mot ça, il relève russophobie. Vous capable ouais, premier parti moi dit russe. Et deuxième partie a dit phobia. Phobia, c'est un peureuse, c'est un monde qui paye un bagay. Donc là, Marandel ensemble avec Russe, ça veut dire monde qui peut Russe. Bagay ça vient populaire parce que non seulement en pile politicien a répété, peuple a répété, mais semaine ça là, président Vladimir Poutine fait une déclaration. Il accuse les pays occidentaux cap essayer puis capable cancel russe. Ça veut dire que il dit que le monde entier a discriminé, a fait discrimination contre toute bagaille qui vient pour avec la Russie. Ça veut dire il a utilisé mot ça qui relève russophobie. Maintenant, nous pourrons discuter. Nous pourrons expliquer ce que ça veut dire pour qui ça. Et nous pourrons demander, est-ce que vous pensez que ça est justifié? Est-ce qu'il y a une raison pour que les gens a utilisé russophobie contre la Russie? Qui ça la Russie fait pour que les gens a utilisé mot ça? Nous pourrons l'expliquer. Ce n'est pas deux bagages qui gagnent. La situation en Ukraine dans lui-même. Il commence à faire des contrôles. Les États-Unis font leur grosse déclaration. Nous pourrons parler. Mais avant que nous avancions dans bagaille ça, mesdames et messieurs, je vais encourager autant prix. Moi, dépendez où pour message nous sommes capables d'avancer. Si je dis, c'est la première fois que vous trouvez HPM, ou bien, vous toujours là, mais on pas jamais subscribe, faites ça je dis là. En bas là, il y a un petit bouton rouge qui marque subscribe, tant prix. Cliquez sur lui. Lorsqu'on fait ça, il y a un petit cloche qui apparaît sur côté, ou cliquez sur lui, la barre choix. Ou choisir tout et ou retirer le sous personnalisé, ou mettre le sous tout, ou bien all. Ça dépend de quelle langue vous faites. Là, fini, il y a un petit bouton qui semble un pouce, smash it. Ça veut dire que cliquez sur lui pour dire que vous aimez la vidéo. Vous avez un commentaire. Dites-moi ça que vous pensez. Est-ce que vraiment, relais la Russie russophobie, est-ce qu'elle est justifiée? Et finalement, partagez Chanel avec tout le monde que vous connaissez, si vous pensez à bénéficier. Alors, commencez. Mesdames et messieurs, si vous regardez là, ça c'est map Georgia. Nous avons photo qui pique toujours. Mais Georgia. Parti orange là, c'est territoire Georgia. Parti grillant, c'est territoire russe. Et Bossa, c'est la mer Noire. Bon, bon, nous, image ça encore pour capable avec Titio. Ou est la Russie, ou est Georgia, la mer Noire, ou est Turquie, avec un pilote pays qui entoure Georgia et la Russie tout près. Et dans map là aussi, dans map Georgia, nous avons deux territoires qui sont bossa encore pour kawe. Territoire ça yo, yon c'est Abkhazia et l'autre là c'est Sud-Ossetia. Ou bien Ossetia, excusez-moi. Deux régions ça yo, selon la Russie avec l'autre petit pays dans le monde là, yo indépendant. Ça veut dire que deux pays ça yo, Abkhazia avec Sud Ossétia, selon la Russie, avec Venezuela, Syrie, eh bien, zone ça yo, yo indépendant. Mais mesdames et messieurs, Nations Unies gagne 193 membres là-dedans. Tout reste yo dit non, deux pays ça yo, deux petites zones ça yo, yo pas un pays et yo pas indépendant. Yo fait partie de Georgia. Et ça fait que nous voyons que toute zone là a toujours les mêmes couleurs, orange. Mais nous mettons non pour montrer aux petites zones qui sont indépendantes. Bon, m'expliquez ce qui s'est passé. Songez bien, nous avons essayé pour nous répondre à la question. Est-ce que la Russie justifiée pour nous relire la phobie? Est-ce que le monde a supposé peur russe et les mots, ça remet, si ça qui est est-ce que justifié? Pour qui ça le monde a utilisé mot ça contre la Russie? Et même le président du pays russe aussi lui-même, il a plaigné parce qu'il dit le monde entier, spécialement pays occidentaux, il voulait cancel ou bien utiliser russophobie contre pays. On regarde pour nous, ouais. Mesdames et messieurs, mes sacrivés. Commencé en 2004 pour arriver 2008, ça c'était président Georgia. Vous pouvez voir lui-même ensemble avec Bush, président des États-Unis. Georgia, qui c'est un ancien territoire de l'Union Soviétique, qui était pris liberté après que l'Union a été écrasée, ils ont décidé pour choisir un autre chemin. Ils voulaient démocratique et ils voulaient avancer plus sous pays occidentaux. Ça, c'est une histoire qui est très connue. Nous connaissons ça. Tout pays qui fait partie de l'ancienne Union soviétique décide de dire, you know what, nous voulons allier avec pays occidentaux. Nous songez bien, ce n'est pas la guerre qui est faite pour forcer les gens. C'est eux-mêmes, avec propre volonté, c'est un pays qui dit, bon, je vais garder à gauche, je vais garder à droite, je vais choisir ça, je pense que c'est plus bon pour moi. Dans ce sens, tout pays ça dit, bon, nous voulons allier avec pays occidentaux. Il y a une démocratie, économie à travail, il respecte les voisins. La guerre elle-même doit faire souvent dans son sens d'aller allier avec yo. C'est ça que pays ça yo, république ça yo, qui te fait partie de l'ancienne Union soviétique déclarée. Et Georgia, c'est un pays tout qui dit bon pour faire ça. Et cependant, il commençait à rencontrer les présidents de l'Ouest et il rencontrait Bush dans la Maison Blanche. Photo qui est montée dans là, c'est monsieur lui-même qui chef pays dans le moment ça, pays c'est ça que le voulait, et bien il est allé comme une représentation pour rencontrer Bush. Mesdames et messieurs, bagay ça, il n'est pas de fait Poutine content du tout. Poutine sentit qu'il n'avait le fâché parce qu'il n'a pas de main pour pays ça yo vin allier avec un pays démocratique et spécialement pays ça yo tout collé avec pays. Comme nous toujours connaissons. Mais expliquez-nous bagay là, faut nous comprendre les qu'on y a là. Problème non, c'est pas vraiment parce qu'ils voulaient attaquer Russes. Mais problème non, c'est parce que la Russie sentit que un pays qui démocrate next pays par lui pour influencer population la Kaili et il pas capable accepter bagay ça. Et t'es venu gagner ça qui relève en compte de toutes les nations. Bush rencontré ensemble avec Vladimir Poutine. Et ils discutaient situation de Georgia. Poutine montrait Bush qu'il n'est pas content du tout. Il n'est pas dans la main que ils avancent trop sur Georgia. Parce qu'il t'avait déjà arrêté Jean-Claude. Ou bien, il t'a préféré pour Georgia avancer sous les des préférences. Eh bien, Bush dit non, pays allait même libre. Dans ce sens, ça, nous à supporter n'importe nation qui t'a voulu avancer pour la démocratie. Eh bien, qui ça vient arriver, mesdames et messieurs? En août 2008, la Russie lançait une invasion dans le pays Georgia. Militaires ont entré, c'est ça oublié, ils n'ont pas fait pays. Même ça qui a fait qu'on y a là en Ukraine, c'est même genre de bagaille ça qui a été fait dans le pays de Georgia. Ils ont entré avec l'armée, ils ont une colonne de tanks de plusieurs distances à avancer en direction de Georgia. Et mesdames et messieurs, la bataille ça a duré 5 jours. Après 5 jours, ils crasent le pays et ils prennent contrôle Georgia. Les fini qui ça qu'ils ont fait? Ils ont déclaré, ça c'est la Russie, ils ont déclaré que Abkhazia avec Sud-Ossetia, eh bien, ils sont libres, ils sont indépendants. Ils sont deux pays qui ont le droit qu'on y a là, puis ils créent leur propre gouvernement, yo, avec leur propre président. Et ils fait un référendum pour capable faire travail ça. Ça veut dire que la Russie coupé petit pays ça, Georgia, et il crée deux pays en dedans yon pays. Il est nécessaire pour nous comprendre bagay yo. Parce que seulement chita a coûté radio et télévision avec journalistes, moi pas journaliste toujours dit nous ça, avec moun k'ap ban nou ti nouvelle. Oh, la Russie envahit Georgia. Et les États-Unis fâchés. Et puis quand on a là nous dit oh US c'est mauvais monde, là juste l'autre bois là pour l'enlever des pays. Ça nous pas comprendre racine bagay yo. Bagay yo pas simple, j'en ai pensé. Yo gen plus rivé derrière yo qu'on dit haïtien qu'on dit. C'est-à-dire que les États-Unis ont une obligation pour protéger tout pays qui est démocrate. Si vous voulez libre, les États-Unis la porte liberté dans chaque le capable. Nous pas dit que tout le temps il toujours vraiment veut faire le bien. C'est pas ça que nous dit du tout. Non jamais, nous pas jamais dit comme ça. Parce que ça arrive dans un moment ça, pendant que yo attaqué Georgia, qui ça US fait? US chita sous main. Le monde chita sous main. Nations Unies pas fait rien. Nous pas arriver dans compte ça, mais bon, on continue avec l'histoire. Mais bon m'expliquer nous racine bagaille ça qui cause qui fait que la Russie entre. Parce que ça n'a pas parlé que monde qui dit comme ça que yo pas vle ouais la Russie a publié ça qui est russophobie. Et nous pas déterminer est-ce que bagaille ça qui yo les beaux ça qui mettez sous la Russie est-ce que justifié. À la fin nous pourra dire oui ou non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant la Russie envahit Georgia. Il déclarait que peuple russe qui vivent dans section ça yo, parce que faut me dire la vérité, dans section ça Abkhazia ensemble avec Sud-Ossetia moun sa yo qui la en pile nan yo parler langue russe là. Et donc comme te ka dit nous venons aux États-Unis comme haïtiens et nous habitons dans Little Haiti. Et là c'est plus créole qui nous parle. Puisque c'est créole qui nous parle dans zone ça, nous considérons comme une communauté haïtienne. N'est-ce pas? Yes. Ça veut dire Haïti a une responsabilité envers tout le monde qui parle langue créole là et qui identifié comme haïtien. Qui kembe culture haïtienne. Les Haïti a une responsabilité pour le protéger nous. La Russie, en parlant de Vladimir Poutine, il utilise le même argument ça. Il dit que n'importe pays sous terre, côté que la population russe là y a parlé langue russe, y a créé une culture, une communauté. Fédération russe, avec loi russe là, et l'armée russe là, gagnent une responsabilité pour yo protéger yo, et même bataille pour liberté yo. Ça c'est loi russe. Ça veut dire que quel que soit côté croyant russe lié, selon loi russe là, et selon croyance Vladimir Poutine, faut la aller pour la défendre peuple ça. Eh bien, Vladimir Poutine utilisait même argument ça. Avant qu'elle envahisse un pays, pour dire que peuple qui fait partie de Russe, ou bien qui parle langue russe là, peuple ça li a oppressé. Et bien, qui ça que la Russie dit? Qui ça que Poutine dit? Il dit comme ça que Georgia, en parlant de l'État Georgia, on va parler des flots, on va parler des US. Parce que Georgia, c'est une république qui gagne dans tout près russe, en Europe. Il dit que pays Georgia, li a maltraité habitants qui habitaient dans Abkhazia avec Sud-Ossetia. Il dit que y a tué yo, y a détruit yo, y a fait ethnic cleansing. Dans ce sens ça lui-même, il gagne une responsabilité pour venir défendre moun sa yo. Et avec argument ça, la Russie ramasse la mille et lui voyait la mer pour la prendre Georgia. Mais mesdames et messieurs, vérité à sécurité. La Russie armée groupe ça yo, sont des groupes séparatistes, sont des groupes qui les mêmes les mettaient, les armés et moun sa yo commencer à touyer peuple Georgia. C'est ça histoire lui même li dit. Yo détruit toute ethnique Georgia qui est dans zone ça. En bas l'ordre Poutine. Et le Poutine fini, lorsque gouvernement Georgia, président Georgia, li révolte, li dit non, ça va de fait, li voye là mais l'entrée il prend zone. Et l'entrée qu'est-ce qu'il fait? Il prend deux petites zones ça yo, li coupe yo, li dit qu'ils indépendants. Li mette propre président parlant yo et li vle que peuple dans zone ça voter pour yo ka entrer dans la Russie. Ça veut dire que pour ka ajouter plus territoire sous russe. Ah, c'est en 2008 mesdames et messieurs. Le monde, Nations Unies, Chita yo pas fait rien. Mesdames et messieurs, en conclusion, qui s'arrive après que ça fin fête? En conclusion, seul ça que le monde te baille. Après tout le monde ça mourir, 700 monde mourir, des milliers dans le pays d'Ikaïo. Le monde en général, Nations Unies, yo baille ça qui relève aide humanitaire. Mais yo pas fait rien. Yo te empêché russe détruire zone ça. Pas de monde qui te même voulait aller pour aller de Georgia. Personne pas de vouloir provoquer la Russie parce qu'il y a peur pour la Russie pas déclencher des armes nucléaires. Même bagaille qui était fait en 2008 là, il répétait encore. Right? Dans le moment ça, c'est président Medvedev qui était président et qui était vraiment ami avec les États-Unis. Il n'a pas fait rien. Georgia was left on its own. Pour défendre tête li. Et là aussi entré, il coupe pays à l'Ipontimoso et l'étable gouvernement parle. OK. En Mexique passé là, il y a un nouveau président qui montait sur Georgia. Nouveau président ça, si me capable faire une photo monsieur t'a fait nous li. Monsieur monté dans Georgia et mais avant même monter, avant de parler de président ça, on parler de président qu'avant. Président qui était avant, mais monsieur c'est zami russe. Ce semaine ça là, selon ça la Russie passe ses contrats avec ancien président ça, l'État doit faire un référendum pour capable faire zone ça. On a parlé de deux petites zones, monsieur nous montons là yo. Ossetia avec Sud-Ossetia, Sud-Ossetia avec Abkhazia, t'as supposé joindre russe. Non référendum semaine ça là. Eh bien mesdames et messieurs, qui s'arrive? La Russie t'attend pour que Georgia t'a fait un référendum semaine ça là pour joindre Russe pour ajouter pays sa zone ça sous la Kaili. Eh bien guess what? Peuple a déclaré mesdames et messieurs. Lorsque le président ça son nouveau président monté. Il monté là le 22 mais qu'est-ce qui se passe là? Monsieur monté comme nouveau président, il dit non. Li cancel référendum nan. Yo dit que yo pap fel pour yo joindre russe. Vote ça ta supposé fait le 17 juillet k'ap vini là. Mais qu'on y a là bagay ça li stop parce que nouveau président dit non. Nous pap fait référendum pour nous joindre russe. Mesdames et messieurs, bon m'expliquer depuis que la Russie pour contrôle. Zone ça. Depuis là aussi crasé Georgia, il prend deux zones ça yo. Mais ça rapport à bail qui sorti dans rapport qui bail. C'est crime mesdames et messieurs qui a fait dans zone là. Torture, j'en a torturé moun yo. Inhuman traitement, illégal détention, violation de dignité, otage, transfert illégal qui prend moun voyer l'autre côté. C'est ça que droits humains joignent que qu'a fait dans cette zone ça depuis que la Russie prend contrôle li. Et la Russie c'est les mêmes qui responsables pour toute bagaille ça qu'a fait dans zone ça. Vous pensez, il y a un pays qui était en paix. Un seul gouvernement a dirigé, à cause qu'on a une série de monde qui parlent russe dans la zone, non? La Russie prend ça comme un prétexte pour dire que mon pour aller entrer mal font opération spéciale, littérer les opérations ça, peace renforcement opération, là était entré dans Georgia. C'est comme ça littérer. Même Jean-Jodi à la littérer ça qu'a fait dans Ukraine, nan, yon spécial militaire opération. Même bagaille là. En 2014, Poutine fait même bagaille là, il déclaré dans Ukraine, il y a un groupe séparatiste qui vivent dans la zone. Il déclare que moun sa yo a souffri, y a en bas domination Ukraine, y a souffri. Et dans ce sens ça lui-même comme russe, comme ce président russe qu'il est, il gagne obligation pour l'entrer tout pour la défendre territoire ou bien délivrer moun sa yo. Attendez bien. C'est on pardonne, c'est même bagaille là, c'est même chanson qu'on chante tout le temps. C'est il pas une différence. Même bagaille là. Chaque fois que la Russie voulait entrer dans le côté, les utiliser, eh bien, les utiliser prétexte que c'est peuple russe qui a souffert dans une zone pour le capable d'entrer. Et c'est ça qu'il fait. Et lorsqu'il entre, mesdames et messieurs, il crase les pays mondiaux, il détruit les pays, et là, il finit, il fonde le pays dans plusieurs sections, il prend des partis, et il les partis ça libre. Ça veut dire, puisqu'il est libre, il a le droit pour le faire salver avec zone ça. Et c'est ça qu'il fait avec pays Ukraine. Nous sommes capables de voir, si nous regardons dans le map là, mais ça qu'il fait, mesdames et messieurs. Où est ça qu'il fait? Il est entré. En 2014, il prend Crimée. Il déclare que Crimée, il y a des gens qui parlent russe dans la zone ça. Dans ce sens ça, il est entré pour le délivrer les gens. Il envahit le pays, il tue un peu le monde et il prend contrôle de lui-même. Ça veut dire que l'organe russe, les gens qui parlent langue russe qui sont à côté, en plein monde une peur. À n'importe quel moment, la Russie est capable d'utiliser le même argument pour dire que les gens qui ont souffert, nous pourrons envahir pour nous défendre. Et le monde, Chita, en 2014, il n'a pas fait rien. Je dis encore, mesdames et messieurs, la Russie est entrée dans l'Ukraine. Il prend zone ça. Par exemple, zone ça, depuis en 2014, j'étais en bail. Donbass, j'étais en point. Et quand on a l'entrée encore, pour le prendre un petit morceau. Il déclarait, c'est parce qu'il les délivré. Monde qui parlait l'anglais dans le pays. Mesdames et messieurs, pour nous comprendre la situation. Bagaille pas simple, j'en ai pensé. Pour capable comprendre une série de bagaille, il faut retirer monde pour mettre vous-même dans la place là. Comme je toujours dit, Haïtiens ne peuvent jamais comprendre ce qui passe en Ukraine. Pas un nous là qui jamais expérience guerre. Pas un pays qui jamais envahi Haïti. At least dans vie pas. Ou pas comprendre. Ou pas toujours camper pour défendre Vladimir Poutine. Comme je toujours dit, c'est pas rien mais que Haïtien rien mais peuple russe là. Haïtien pas même connaît qui ça peut brusquer. Mais Haïtien remet idée d'un strong man, d'un résistant, d'un qui campe contre ennemi. C'est-à-dire que la majorité haïtienne, en pile dans eux-mêmes, pas remet les États-Unis. Et il y a raison pour le tout. Je ne dis pas qu'il y a raison. Mais même côté à tout, ça vient bloquer l'objectivité. Depuis son pays qui a un conflit avec les États-Unis, il reste toujours un tort dans les Haïtiens. Il va comme ça souvent. Il va comme ça souvent. Vous devez comprendre que l'on joue un rôle si grand tant que les États-Unis jouent dans le monde là, ils ont une grande responsabilité. C'est pas toute bagarre qu'il a fait, le monde a content. C'est normal. Et donc, je vous prends l'exemple police dans une zone. Ils ont papa dans le caille. Papa là pour faire depuis la discipline. Le plus souvent, maman, il y a plus amitié. Papa lui-même, il est plus rigide. Eh bien, situation ça, qu'a privé là dans l'Ukraine, mesdames et messieurs, c'est ça qu'on y a là, qui crée ça qui relève russophobie. Parce qu'en pile pays dit, nous pas senti nous à l'aise pour nous accepter peuple ça la caille nous. Parce que si nous acceptons le peuple ça crée une communauté qui le Poutine pour le dire comme ça que peuple moyen lui-même l'a souffrir mon pral venir pour me délivrer. Est-ce que vous comprenez? Mais cette fois-ci, dans le moment ça qu'on y a là, différence c'est que le monde dit comme ça que yo pas laisser Vladimir Poutine prendre contrôle Ukraine. Yo fait souvent. Yo t'es abandonné Ukraine en 2014, yo t'es abandonné Georgia en 2008. Yo abandonné peuple qui dans zone Syrie, les Kurds. Yo abandonné yo parce que yo peuple yo pas agressé la Russie, mais la Russie continue à tuer monde qui veut libre. Mesdames et messieurs, il y a un côté pour arriver pour vous dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a un bagage qui va marcher. Si tout pays ça yo, si tout pays ça yo dit ça pas bon, il y a pas bon. Nous sommes dit nous ça que gain 193 pays qui fait partie des Nations Unies, n'est-ce pas? 193 pays. 693 pays fait partie de l'Union, mesdames et messieurs. Va montrer nous. Dans 193 pays Nations Unies gagne la donne. Zone ça yo que la Russie prend. C'est seulement la Russie, Venezuela, Nicaragua, Norou avec Syrie qui reconnaît Abkhazia avec Ossetia Sud, Sud-Ossetia comme indépendant. Tout côté ça yo reconnaît que pays ça yo fait partie de Georgia. Yo pas libre. Mais mesdames et messieurs, soyons sérieux. Majorité a dû gagner la victoire. Ou bien 193 pays dans le monde qui fait partie de l'Union. Tout dit non. Ça lien juste li pas bon. Ou bien un petit groupe monde. La Russie, c'est lui-même qui fait. Venezuela, son pays dictatorship tout. Avec la Russie, les amis russes. Ou bien Nicaragua, même bagay là. Ou qu'on l'autre pays qui est le nord ou même bagay là. Avec qui côté? Bachar el-Assad, Syrie. Ça n'a pas représenté rien. Dans 193 pays. Mais il faut nous capables comme si penser pour nous dire, ok, combat qui va marcher bien. Si tout pays ça est capable de camper ou bagay là pas bon. Come on. Il pas prendre un scientiste pour côté justice l'année. Jodi an la, la Russie entre l'envahit Ukraine. Ce n'est pas deux dégâts qu'a fait. Mais le monde doit quand même dire, wait a minute. En 2008, nous ne faisons rien. La Russie entre les points pays à les diviser. Parce qu'elle a besoin de territoire. En 2014, nous ne faisons rien. Ils font même bagaille. En 2022, mesdames et messieurs, 21e siècle, ça, c'est le moment pour nous dire, bon, c'est assez. Par exemple, hier, je discuté avec nous, que Joe Biden déclaré, il n'y a pas de gros armes dans le pays Ukraine parce qu'il n'y a pas de armes qui entrent sur le territoire du pays russe. Je vais expliquer pour ça qu'il fait. Il est important. Et je pense qu'il était très intelligent, j'en que le pensais. Malgré que vraiment, l'Ukraine a besoin d'armes. Mais mesdames et messieurs, les États-Unis ne sont pas dans la guerre avec le pays russe et n'ont rien à voir avec ça. Il faut nous comprendre ça. Il y a un problème avec un seul homme qui le contrôle des millions de monde et qui a un pouvoir dans le côté que le peuple là en bas, esclavage. Nous ne pouvons pas comprendre. Mesdames et messieurs, esclavage physique, ce n'est pas seul esclavage ça gagne. C'est mental. Vous pouvez imaginer juste, ça va commencer. L'église orthodoxe catholique en russe font gros messe. Ils ont invité tout soldat. Ils ont invité en pile grosse autorité dans le pays. Et ils ont déclaré. Tendez bien, mesdames et messieurs, tendez bien qui ça que prête en tête l'église orthodoxe russe, 10 populations ensemble avec soldats. Les 10 soldats, ils réunis, grosse célébration, chandelle limée, croix de tous côtés, et avec toute puissance qui sont yo. Ils disent c'est Dieu, m'pat la m'pa connaît, et m'pa quoi c'est Dieu pas m'en lié. But anyway, bon Dieu pas yo. Et yo dit peuple là comme ça. C'est pas Vladimir Poutine qui a voué dans la bataille. Tenez bien, mesdames et messieurs. Jodi, nous pouvons dans le pays Ukraine Nous pouvons défendre la Bible. Nous pouvons défendre la foi chrétienne. Nous pouvons défendre la justice. Le président ça, qui est le Vladimir Poutine, ce n'est pas lui-même qui a voulu dans la guerre. C'est le Dieu Tout-Puissant qui a voulu dans la guerre. Dans ce sens, ça, qui doit ou pour poser question? Qui doit ou pour dire non, pas parler? Dieu t'a envoyé. Alors, Jean 2, bagaille ça, comment un homme qui fait partie d'un pays, côté que tout système puissance pays a quoi dans bagaille ça, qui puissance qu'on gagne pour exister? Même l'autre avlé. Et même côté à tout, puissance pays, en parlant de Vladimir Poutine, les passés des lois, n'importe monde qui t'a même mentionné pour dire que guerre ça qu'a fait dans Ukraine, nation guerre liée, eh bien, on va recevoir 15 ans de prison. Que de liberté. Vraiment? Même côté à tout journaliste, toute télévision indépendante, vous fermez. C'est seule télévision État qui existait. Mesdames et messieurs, bon petit nos bagailles. Ça qui fait un peu mal, c'est côté où même on sait des gens qui habitent aux États-Unis, qui travaillent, qui vivent, qui mangent, qui sont sous deux bœufs là. Ils ont critiqué, ils ont bagaille qui ne pas même comprendre. Si par hasard, je toujours dit ça, si la Russie est bon comme ça, pour qui nous pas contester ici nous venir, mesdames et messieurs, il ne va pas faire sens. Si pays ça, si pas bon, I mean, I would go somewhere else. On t'a parlé dans la Russie, on t'a pris un bâtiment, pour contenter mal la Russie. It doesn't make sense. But, mesdames et messieurs, c'est peuple noir. Now, on nous parle. On nous retourne back. Si vous comprenez tout ça, je dis là, est-ce que les justifiés puis et employés russophobie contre Russe? Déjà dit. Il dit que côté que peuple russe là y habité, la Russie gagne droit pour l'entrer pour le défendre. Et même là qui a créé une histoire. Eh bien c'est ça qui relève russophobie. Est-ce qu'elle juste non pas juste parce que peuple là lui-même il va gagner pour ouais avec ça un seul homme à faire. Peuple pas responsable pour action militaire. Et ça fait que Joe Biden pas voulu vos examens. Mais avant que m'aller, mais ça privé. Joe Biden te font déclaration hier dans un journal. Il pas dit directement à la télévision. Bien content de pas parler comme ça. Te font déclaration dans un journal. Qui ça que dit? Joe Biden déclaré. Il dit que qui ça que nous voulons ouais? Nous voulons un démocratique, indépendant, souveraine et prospérus Ukraine. Ça veut dire que nous voulons une Ukraine qui est démocratique, indépendant, qui est souverain et qui a prospéré. Et nous voulons qu'il soit capable de défendre tête contre toute agression. Ça, c'est le message que Joe Biden a envoyé dans le pays Ukraine. Il a envoyé dans le monde pour parler qui objectif li. Qui plan lui-même avec Russe qui est capable d'entendre. Et il dit, nous ne parlons pour avoir une guerre entre autant avec la Russie. C'est ça Biden dit. Nous ne parlons ça du tout. Et nous sommes capables, mesdames et messieurs, nous sommes honnêtes, nous faisons tout ça qui est capable pour ne pas entrer dans la guerre. Mesdames et messieurs, soyons sérieux. Nous ne connaissons pas quoi, mais écoutez. Regardez toute défaite russe prend dans l'Ukraine. Nous pensons, mesdames et messieurs, si les États-Unis avec autant t'es entré dans la guerre, t'es en guerre toujours? Comment? Oui. Hein? Nous pensons, si les États-Unis avec autant t'es décidé puis paraître, puis bat Ukraine toutes les armes que le besoin pour le devant tête li, nous pensons t'es en guerre toujours? Non, guerre t'es fini. Malgré que le monde a payé de l'Ukraine, même senti aussi yo des réserves. Pour qui ça? Parce que yo pas t'avle, yon guerre déclenchée dans le monde. On nous continue pour nous capable finir. Il dit que nous pas avle faire une guerre entre autant avec la Russie. C'est pas ça qu'il veut du tout. Il dit que, regardez en bas pour nous, le dernier paragraphe, il dit que, as much as I disagree with Mr. Putin and find his action outrage. Il dit, malgré que je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord avec M. Vladimir Poutine, et mon action là, qu'elle fait, n'est vraiment pas bon du tout. Les États-Unis will not try to bring about his outside in Moscow. Les États-Unis ne vont pas mettre M. dehors Et ça que le dit. Qu'on veut qu'on ne veut pas, mais ça c'est déclaration du président. Et il dit comme ça que depuis que vous n'avez pas attaqué alliés les États-Unis, nous ne pouvons pas directement engager dans un conflit. Et aussi nous ne pouvons pas envoyer des troupes dans le pays Ukraine. Maintenant, c'est ça que le fait. Et aussi, Biden dit qu'il ne va pas encourager l'Ukraine pour le voyer des armes pour le frapper dans le pays russe. Nous ne pouvons pas prolonger bagay ça. Et nous ne pouvons pas plus peine, plus douleur à peuple russe là. Il faut nous capable de comprendre ça. Mais en passant, Joe Biden déclaré. Il pourra signer un contrat ensemble avec Zelensky. Pour que les armes qui ont pris le bail, vous parlez pas avec mon zam. On n'a pas parlé dans l'autre là. Nous pas parlé. Il y a bagay de là. Mais il voulait que Zelensky signe d'accord qu'il pas jamais utiliser zam ça yo pour attaquer la Russie en notre territoire. Mesdames et messieurs, ça c'est réalité, ça qui passe dans le monde là. On pas besoin connaître ça qui est doux. Ça me doula c'est lui-même. C'est ça que lié. Now, mes questions pour vous-même. Est-ce qu'elle justifiait pour que le monde mettait un titre sous russe pour utiliser bagage sacré les russophobie? Est-ce qu'elle nous peur la Russie? Ou bien est-ce qu'elle nous peur Vladimir Poutine? Pour moi-même, peuple russe pas grand pour avec rien. Il est vrai, action que russe, que président et gouvernement prend, il rend que le monde en edge, avec dire que le peuple ou peuple n'a pas entré pour une communauté pas créée pour forcer russe pour l'attaquer. Mais action gouvernement c'est responsable. Parce qu'un peuple, ou pas de lâche, ou de faire ça qu'on est capable pour bataille, pour défendre le territoire, même mettez-les de là d'ailleurs, s'il a fait payer à passer misère. Dans ce sens-là, moi, baille chaque grain russe responsable, faites-le. Faut que tu travailles. Puis tu suspends à placer un monde tant que Poutine, dominer, mais travail, bataille, puis on prend liberté. Non, moi, c'est Abner Gelin pour Haitian Public Media. Passez une très bonne journée. Que bon Dieu. Benio, bye bye.